Nombre chapitre 28 et 29. Je vous donne lecture. Nombre chapitre 28. L'Éternel parla à Moïse et dit: Donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur: Vous aurez soin de me présenter au temps fixé mon offrande, l'aliment de mes sacrifices consumés par le feu et qui me sont d'une agréable odeur. Tu leur diras: Voici le sacrifice consumé par le feu que vous offrirez à l'Éternel. Chaque jour, deux agneaux de nain sans défaut comme holocauste perpétuel. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les deux soirs. Et pour l'offrande, un dixième d'épha de fleurs de farine pétrie dans un quart de hin d'huile d'olive concassée. C'est l'holocauste perpétuel qui a été offert à la montagne du Sinaï. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. La libation sera d'un quart de hin pour chaque agneau. C'est dans le lieu saint que tu feras la libation de vin à l'Éternel. Tu offriras le second agneau entre les deux soirs, avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Le jour du sabbat, vous offrirez deux agneaux de nain sans défaut. Et pour l'offrande, deux dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile avec la libation. C'est l'holocauste du sabbat. Pour chaque sabbat, outre l'holocauste perpétuel et la libation. Au commencement de vos mois, vous offrirez en holocauste à l'Éternel deux jeunes taureaux, un bélier et sept agneaux de nain sans défaut. Et comme offrande pour chaque taureau, trois dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile. Comme offrande pour le bélier, deux dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile. Comme offrande pour chaque agneau, un dixième de fleurs de farine pétrie à l'huile. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Les libations seront deux demi-hins de vin pour un taureau, deux tiers de hin pour un bélier et deux quarts de hin pour un agneau. C'est l'holocauste du commencement du mois, pour chaque mois, pour tous les mois de l'année. On offrira à l'Éternel un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel et la libation. Le premier mois, le 14e jour du mois, ce sera la Pâque de l'Éternel. Le 15e jour de ce mois, ce sera un jour de fête. On mangera pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez un holocauste à l'Éternel, un sacrifice consumé par le feu. Deux jeunes taureaux, un bélier et sept agneaux de nain sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile. Trois dixièmes pour un taureau, deux dixièmes pour un bélier et un dixième pour chacun des sept agneaux.
Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation afin de faire pour vous l'expiation. Vous offrirez ces sacrifices outre l'holocauste du matin qui est un holocauste perpétuel. Vous les offrirez chaque jour pendant 7 jours comme l'aliment de sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. On les offrira outre l'holocauste perpétuel et la libation. Le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre au servir. Le jour des prémices, où vous présenterez à l'Éternel une offrande à votre fête des semaines, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre au servir. Vous offrirez un holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel, 2 jeunes taureaux, 1 bélier et 7 agneaux de nain. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 3 dixièmes pour chaque taureau, 2 dixièmes pour le bélier et 1 dixième pour chacun des 7 agneaux. Vous offrirez un bouc afin de faire pour vous l'expiation. Vous offrirez ces sacrifices outre l'holocauste perpétuel et l'offrande. Vous aurez des agneaux sans défaut et vous joindrez les libations. Nombre chapitre 29. Le 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Ce jour sera publié parmi vous au son des trompettes. Vous offrirez un holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel, 1 jeune taureau, 1 bélier et 7 agneaux de nain sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 3 dixièmes pour le taureau, 2 dixièmes pour le bélier et 1 dixième pour chacun des 7 agneaux. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation afin de faire pour vous l'expiation. Vous offrirez ces sacrifices outre l'holocauste et l'offrande de chaque mois. L'holocauste perpétuel et l'offrande et les libations qui s'y joignent d'après les règles établies. Ce sont des sacrifices consumés par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Le 10e jour de ce 7e mois, vous aurez une sainte convocation et vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage. Vous offrirez un holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel, 1 jeune taureau, 1 bélier et 7 agneaux de nain sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 3 dixièmes pour le taureau, 2 dixièmes pour le bélier et 1 dixième pour chacun des 7 agneaux. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation. Outre le sacrifice des expiations, l'holocauste perpétuel et l'offrande et les libations ordinaires. Le 15e jour du 7e mois, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre au servir. Vous célébrerez une fête en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Vous offrirez en holocauste un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel, 13 jeunes taureaux, 2 béliers et 14 agneaux de nain sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile,
trois dixièmes pour chacun des 13 taureaux, deux dixièmes pour chacun des 2 béliers, et un dixième pour chacun des 14 agneaux. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Le second jour, vous offrirez 12 jeunes taureaux, 2 béliers et 14 agneaux de nos sans défaut, avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Le troisième jour, vous offrirez 11 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et la libation pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Le quatrième jour, vous offrirez 10 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et la libation pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Le cinquième jour, vous offrirez 9 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux de nain sans défaut, avec l'offrande et la libation pour les taureaux, les béliers et les agneaux selon leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Le sixième jour, vous offrirez 8 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux de nain sans défaut, avec l'offrande et la libation pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Le septième jour, vous offrirez 7 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et la libation pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Le huitième jour, vous aurez une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Un taureau, un bélier et 7 agneaux de nain sans défaut, avec l'offrande et la libation pour le taureau, le bélier et les agneaux, selon leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Tels sont les sacrifices que vous offrirez à l'Éternel dans vos fêtes, outre vos holocaustes, vos offrandes et vos libations, et vos sacrifices de prospérité, en accomplissement de vœux ou en offrande volontaire. Parole de Dieu.
pour le peuple de Dieu. Amen. Amen. I am going to read for you Numbers chapter 28 and chapter 29. Numbers chapter 28, the daily offerings. The Lord said to Moses, "Give these instructions to the people of Israel. The offerings you present as special gifts are a pleasing aroma to me. They are my food. See to it as they are that they are brought at the appointed times and offered according to my instructions. Say to the people, this is the special gift you must present to the Lord as your daily burnt offering. You must offer 2 1-year-old male lambs with no defects. Sacrifice one lamb in the morning and the other in the evening. With each lamb, you must offer a grain offering of 2 quarts of choice flour mixed with 1 quart of pure oil of pressed olives. This is the regular burnt offering instituted at Mount Sinai as a special gift, a pleasing aroma to the Lord. Along with it, you must present the proper liquid offering of 1 quart of alcoholic drink with each lamb, poured out in the holy place as an offering to the Lord. Offer the second lamb in the evening with the same grain offering and liquid offering. It, too, is a special gift, a pleasing aroma to the Lord. The Sabbath offering. On the Sabbath day, sacrifice 2 1-year-old male lambs with no defects. They must be accompanied with a grain offering of 4 quarts of choice flour moistened with olive oil and a liquid offering. This is the burnt offering to be presented each Sabbath day, in addition to the regular burnt offering and its accompanying liquid offering. The monthly offerings. On the first day of each month, present an extra burnt offering to the Lord of 2 young bulls, 1 ram, and 7 1-year-old male lamb, all with no defects. These must be accompanied by grain offerings of choice flour moistened with olive oil, 6 quarts with each bull, 4 quarts with the ram, and 2 quarts with each lamb. This burnt offering will be a special gift, a pleasing aroma to the Lord. You must also present a liquid offering with each sacrifice, 2 quarts of wine for each bull, 1/3 of a gallon for the ram, and 1 quart for each lamb. Present this monthly burnt offering on the first day of each month throughout the year. On the first day of each month, you must also offer 1 male goat for a sin offering to the Lord. This is in addition to the regular burnt offering and its accompanying liquid offering. Offering for the Passover. On the 14th day of the month, you must celebrate the Lord's Passover. On the following day, the 15th day of the month, a joyous 7-day festival will begin. But no bread made with yeast may be eaten. The first day of the festival will be an official day for holy assembly, and no ordinary work may be done on that day. As a special gift, you must present a burnt offering to the Lord. 2 young bulls, 1 ram, and 7 1-year-old male lamb, all with no defects. This will be accompanied by grain offerings of choice flour moistened with olive oil, 6 quarts with each bull, 4 quarts with the ram, and 2 quarts with each of the 7 lambs. You must also offer a male goat as a sin offering to purify yourselves and make yourselves right with the Lord.
Present these offerings in addition to your regular morning burnt offering. On each of the 7 days of the festival, this is how you must prepare the food offering that is presented as a special gift, a pleasing aroma to the Lord. These will be offered in addition to the regular burnt offerings and liquid offerings. The seventh day of the festival will be another official day for Holy Assembly, and no ordinary work may be done on that day. Offering for the festivals of the harvest. At the festival of harvest, when you present the first of your new grain to the Lord, you must call an official day for Holy Assembly, and you may do no ordinary work on that day, and present a special burnt offering on that day as a pleasing aroma to the Lord. It will consist of 2 young bulls, 1 ram, and a 7-year-old male lambs. This will be accompanied by grain offerings of choice flour moistened with olive oil. 6 quarts with each bull, 4 quarts with the ram, and 2 quarts with each of the 7 lambs. Also, offer 1 male goat to purify yourselves, and make yourselves right with the Lord. Prepare these special burnt offerings, along with their liquid offerings, in addition to the regular burnt offerings, and its accompanying grain offering. Be sure that all the animals you sacrifice have no defect. Celebrate the Festival of Trumpets each year on the first day of the appointed month in early autumn. You must call an official day for Holy Assembly. You may do no ordinary work. On that day, you must present a burnt offering as a pleasing aroma to the Lord. It will consist of 1 bull, 1 ram, and 7-year-old male lambs, all with no defects. These must be accompanied by grain offerings of choice flour moistened with olive oil. 6 quarts with the bull, 4 quarts with the ram, and 2 quarts with each of the 7 lambs. In addition, you must sacrifice a male goat as a sin offering to purify yourselves and make yourselves right with the Lord. These special sacrifices are in addition to your regular monthly and daily burnt offerings, and they must be given with their prescribed grain offerings and liquid offerings. These offerings are given as a special gift to the Lord, a pleasing aroma to Him. Offerings for the Day of Atonement. 10 days later, on the 10th day of the same month, you must call another holy assembly. On that Day of Atonement, the people must go without food and must do no ordinary work. You must present a burnt offering as a pleasing aroma to the Lord. It will consist of 1 young bull, 1 ram, and 7 1-year-old male lambs, all with no defects. These offerings must be accompanied by the prescribed grain offerings of choice flour moistened with olive oil. 6 quarts of choice flour with the bull, 4 quarts of choice flour with the ram, and 2 quarts of choice flour with each of the 7 lambs. You must also sacrifice 1 male goat for a sin offering. This is in addition to the sin offering of atonement and the regular daily burnt offering with its grain offering and their accompanying liquid offering. Offering for the Festival of Shelters. 5 days later, on the 15th day of the same month, you must call another holy assembly of all the people, and you may do no ordinary work on that day. It is the beginning of the Festival of Shelters, a 7-day festival to the Lord. On the first day of the festival, you must present a burnt offering as a special gift, a pleasing aroma to the Lord. It will consist of
13 young bulls, 2 rams, and 14 one-year-old male lambs, all with no defects. Each of these offerings must be accompanied by a grain offering of choice flour moistened with olive oil. 6 quarts for each of the 13 bulls, 4 quarts for each of the 2 rams, and 2 quarts for each of the 14 lambs. You must also sacrifice a male goat as a sin offering, in addition to the regular burnt offering with its accompanying grain offering and liquid offering. On the second day of the 7-day festival, sacrifice 12 young bulls, 2 rams, and 14 one-year-old male lambs, all with no defects. Each of these offerings of bulls, rams, and lamb must be accompanied by this described grain offering and liquid offering. You must also sacrifice a male goat as a sin offering in addition to the regular burnt offering and its accompanying grain offering and liquid offering. On the third day of the festival, sacrifice 11 young bulls, 2 rams, and 14 one-year-old male lambs, all with no defects. Each of these offerings of bulls, rams, and lambs must be accompanied by a described grain offering and liquid offering. You must also sacrifice a male goat as a sin offering, in addition to the regular burnt offering, of which its accompanying grain and offering and liquid offering. On the 14th day of the festival, sacrifice 10 young bulls, 2 rams, and 14 one-year-old male lambs, all with no defects. Each of these offerings of bulls, rams, and lambs must be accompanied by a prescribed grain offering and liquid offering. You must also sacrifice a male goat as a sin offering in addition to the regular burnt offering with its accompanying grain offering and liquid offering. On the 5th day of the festival, sacrifice 9 young bulls, 2 rams, and 14 one-year-old male lambs, all with no defects. Each of these offerings of bulls, rams, and lambs must be accompanied by a described grain offering and liquid offering. You must also sacrifice a male goat as a sin offering in addition to the regular burnt offering, which is accompanying grain offering and liquid offering. On the 6th day of the festival, sacrifice 8 young bulls, 2 rams, and 14 one-year-old male lambs, all with no defects. Each of these offerings of bull, rams, and lambs must be accompanied by a prescribed grain offering and liquid offering. You must also sacrifice a male goat as a sin offering in addition to the regular burnt offering with its accompanying grain offering and liquid offering. On the 7th day of the festival, you sacrifice 7 young bulls, 2 rams, and 14 one-year-old male lambs, all with no defects. Each of these offerings of bulls, rams, and lambs must be accompanied by its prescribed grain offering and liquid offering. You must also sacrifice 1 male goat as a sin offering, in addition to the regular burnt offering, with its accompanying grain offering and liquid offering. On the 8th day of the festival, proclaim another holy day. You must do no ordinary work on that day. You must present a burnt offering as a special gift, a pleasing aroma to the Lord. It will consist of 1 young bull, 1 ram, and 7 one-year-old male lamb, all with no defects. Each of these offerings will be accompanied by its prescribed grain offering and liquid offering. You must also sacrifice 1 male goat as a sin offering, in addition to the regular burnt offering with its accompanying grain offering and liquid offering. You must present these offerings to the Lord as your annual festivals. These are in addition to the sacrifices and offerings you present in connection with vows or as a voluntary offerings or burnt offerings, grain offerings, liquid offerings, or peace offerings. So Moses gave all of these instructions to the people of Israel as the Lord had commanded him. The word of God for the people of God. Amen. Thank you.
Nombre chapitre 28. Seigneur a parlé avec Moïse, lui dit comme ça. Mais l'ordre doit bay mon peuple Israël yo. Wa di yo pour moi, c'est pour yo toujours changer date pour yo faire offrande yo. Date pour yo vinn porter offrande ya boule net pour moi nan di fe. Offrande ka fè m plaisir ak bon sent yo. Wa di yo pour moi, mais offrande pour nous boule nan di fe pour Seigneur ya. Chaque jour sans sauter yon. Na offri deux petits moutons qui gen un an. Qui pa gen aucun infimité. Na boule yo net nan di fe pour moi. Na offri premier petit mouton an nan matin. Na offri l'autre là nan aswe. Ensemble avec chaque petit mouton, na offri sept petit mamit farine France mélangé ak deux bouteilles ka plein pi bon qualité l'huile olive ou ka joine. Ça c'est offrande pour yo boule net chaque jour nan di fe. Offrande yo te kon fè nan tan longtemps sou mon Sinaï. Tan kou yo manje yo boule pou Seigneur. Yon offrande ka fè Seigneur a plaisir ak bon sent li. Après chaque petit mouton, na offri deux bouteilles ka boisson. Na videl sou l'autel la pou Seigneur. Nan aswe, na boule deuxième petit mouton an nan même jan. Na boule deuxième petit mouton an même jan nou te fèl nan matin. Na fè ofran farine France lan tout ansanm ak boisson. Se va yon manje na boule net pou Seigneur. Yon ofran ka fè Seigneur a plezi ak bon sant li. Pou jou repoa, na ofri deux ti belye mouton ki gen un an. Ki san aucun infimité. Kat ti mamit farine France mélange ak l'huile olive tan kou ofran gren jardin ak yon ofran boisson. Chak jou repo. C'est pour nous faire offrande ça yo en même temps ak offrande pour chaque jour ensemble ak offrande boisson yo. Nan commencement chaque mois, na fè yon offrande boule pour Seigneur. Lè sa a, na ofri deux taureaux bœuf. Yon bélier mouton ak sept ti mouton ki gen un an. Et puis fok yo tout sans aucun infimité. Na fè yon ofran gren manje tout ansanm ak chak bèt. Pou chak taureau bèf, na ofri 24 ti mamit farine France mélangé ak l'huile olive. Pou chak belye mouton, na ofri 14 ti mamit farine France tankou yon ofran gren manje. Pou chak ti mouton, na ofri 7 ti mamit farine France. Se va yon offrande na boule net pou Seigneur. Yon offrande ka fè Seigneur a plaisir ak bon sent li. Na fè offrande boisson tout 4 bouteilles ka pou chak taureau bœuf. 3 bouteilles ka pou bélier mouton an ak 2 bouteilles ka pou chak ti mouton. Se offrande sa yo na boule net pou Seigneur nan commencement chak mois pendant tout l'année a. En plus, offrande pour chaque jour yo, ou a touye yon bouk pour mande pardon pour péché. Et puis ou a offri tout offrande boisson qui toujours marche ensemble avec la. 14e jour dans premier mois, na fête fête délivrance là pour Seigneur. 15e jour dans même mois, va yon gros jour fête. Pendant 7 jours, n'a mangé pain qui fait 100 litres de vin. Sous premier jour, n'a réuni tout le monde pour venir adorer Seigneur. Les ça, personne pas bien droit faire aucun gros travail. N'a fait offrande bête pour yo bouler net pour Seigneur. Des jeunes taureaux bœuf, yon bélier mouton ak 7 petits moutons qui gen 1 an. Faut que yo tout sans aucun infimité.
N'a fait offrande graine jardin yo sous forme farine France mélangé avec l'huile olive 21 timamit pour chaque taureau, 14 timamit pour bélier mouton avec 7 timamit pour chaque petit mouton. N'a offri tout yon bouc pour yo touye pour mande bon Dieu pardon pour péché. C'est comme ça, n'a fait offrande bête pour nous touyer, pour mander bon Dieu grâce pour peuple là. N'a fait toute offrande ça yo en plus, offrande bête nous gain pour nous bouler chaque matin sans sauter jour. C'est va même gens tout pour toute cette jour yo. Chaque jour n'a offri manger pour yo bouler net pour Seigneur. C'est va tant qu'on yon offrande qu'a fait Seigneur plaisir ak bon santé. N'a fait offrande ça en plus offrande bête pour yo bouler chaque jour pour Seigneur ak offrande boisson qui marchait avec là. Sous septième jour n'a réuni tout peuple là encore pour nous faire service pour bon Dieu. Jour ça nous pas faire aucun gros travail non plus. Comme ça tout premier jour fête première récolte là. Les n'apporte offrande graine nous fait récolter yo bay Seigneur n'a réuni tout monde pour yo venir faire service bon Dieu. Jou ça personne pas bien doit faire aucun gros travail. Mais bête n'a offri pour yo bouler net nan di fait pour Seigneur offrande qui va faire Seigneur plaisir ak bon santé li. Dejento yon bélier mouton ak 7 ti mouton ki gen 1 an. Fok yo tout sans aucun infimité. N'a fait offrande grain jardin yo tout sous forme farine France mélangé ak l'huile olive. Ki vle di 20e timamit pou 21 timamit pour chaque taureau. 14 timamit pour bélier mouton ak 7 timamit pour chaque ti mouton yo. N'a offri tout yon bouc pour mande bon Dieu pardon pour péché. C'est comme ça n'a fait offrande bête pour yo touye pour mande bon Dieu grâce pour tout peuple là. N'a offri bête sa yo ensemble ak offrande brason qui marchait avec yo chaque en plus offrande bête pour yo bouler chaque jour ensemble chaque jour ensemble ak offrande graine jardin yo. C'est pour toute bête yo sans aucun infimité. Nombre chapitre 29. Premier jour septième mois. N'assemble tout moun pour yo vin faire service pour adorer bon Dieu. Jou sa, personne pap gen doit faire aucun gros travail. C'est jou sa a tout, ya konnen trompette pour yo faire konnen jou arrivé. Même bête na offri pour yo boule net nan di fait pour Seigneur. Mais offrande qui va faire Seigneur plaisir ak bon santé. Yon jen to ou bef. Yon bélier mouton ak 7 ti mouton ki gen 1 an. Fok yo tout sans aucun infimité. N'a fait offrande grain jardin yo tout sous forme farine France mélangé ak l'huile olive. Ki vle di 21 timamit farine France pour toa, 14 timamit pour bélier mouton ak 7 timamit pour chaque mouti mouton yo. N'a offri tout yon bouc cabrit pour mande pardon pour péché. C'est comme ça n'a fait offrande bête pour touyer pour mande bon Dieu grâce pour tout peuple là. N'a fait offrande ça yo en plus en offrande bête pour yo bouler dans di fait chaque premier jour dans mois yo ensemble ak offrande grain jardin qui toujours marcher avec yo. Mettez sous offrande bête pour yo bouler chaque jour ensemble ak offrande grain jardin ak boisson qui toujours marché avec là. C'est offrande manger ça yo na bouler net pour Seigneur.
C'est va offrande qu'a fait Seigneur à plaisir avec bon sentio. Dixième jour, septième mois, n'a réuni tout le monde pour yo venir faire service pour bon Dieu. Jour ça, tout le monde va arrêter sans manger. Personne pas gen droit faire aucun travail. N'a offri bête pour yo boule net nan di fe pour bon Dieu. C'est va yo offrande qui va faire Seigneur à plaisir ak bon santé. Mais bête n'a offri. Yon taureau bœuf. Yon bélier mouton, 7 petits moutons qui gen 1 an. Fok yo tout sans aucun infirmité. N'a fait offrande grain jardin qui pour marcher ak chaque bête sous forme farine France mélangée ak l'huile olive. Qui vle dit 21 timamit farine pour taureau bœuf là. 14 timamit pour bélier mouton ak 7 timamit pour chaque petit mouton yo. N'a offri tout yon bouc pour mander bon Dieu pardon pour péché en plus offrande bête pour touyer pour grand jour pardon. Mettez sous offrande bête pour yo bouler chaque jour ensemble ak offrande grand jardin yo ak offrande boisson qui marchait ak yo. 15e jour dans 7e mois n'a réuni tout monde pour yo vinn adorer bon Dieu. Jou sa, personne pa gen droit faire aucun gros travail. N'a fait yon fête pour Seigneur pendant 7 jours. Premier jour n'a offri pour yo boule net nan di fe pour Seigneur, offrande qui va faire Seigneur plaisir ak bon santé. Mais bête pour nous touyer offri. 13 taureaux bœuf, 2 béliers moutons, 14 petits moutons qui gen 1 an. Fok yo tout sans aucune infimité. Mais offrande grain jardin sous forme farine France mélangé ak l'huile olive qui pour marcher ak bet yo. 21 timamit farine France pour chaque taureau. 14 timamit farine pour chaque bélier. Ak 7 timamit pour chaque petit mouton. Ensemble ak offrande boisson qui pour marcher ak yo chaque. Na offri tout yon bouc cabrit pour mande bon Dieu pardon pour péché. Na fait offrande sa yo en plus offrande pour nous bouler net chaque jour ensemble ak offrande grain jardin ak offrande divin qui pour marcher avec yo. Deuxième jour fête là na offri 12 taureaux bœuf. Des béliers moutons à 14 petits moutons qui gagnent 1 an. Fok yo tout sans aucune infimité. Ensemble avec chaque bête n'a fait offrande grand jardin à offrande boisson qui pour marcher à yo d'après règlement. Et puis en plus offrande bête nous fait pour yo tout pour yo boule net pour Seigneur chaque jour ensemble ak offrande grain jardin ak offrande brasson qui marchait ak yo na offri yon bouc cabrit pour yo touyer pour mander bon Dieu pardon pour péché. Troisième jour fête là na offri 11 taureaux bœuf, 2 béliers moutons ak 14 si moutons qui gen 1 an. Fok yo tout sa an ken infimité. Ensemble ak chaque bête na fait offrande grain jardin ak offrande boisson qui pour marcher ak yo d'après règlement. Et puis en plus offrande bête nous fait chaque jour pour yo boule net pour Seigneur ensemble ak offrande grain jardin ak offrande boisson qui marcher ak yo. Na offri yon bouc cabrit pour yo touyer pour mander bon Dieu pardon pour péché. Quatrième jour fête là, na offri 10 taureaux bœuf. 2 béliers moutons à 14 si moutons qui gen 1 an. Fok yo tout sa an ken infimité. Ensemble chaque bête na fait offrande grain jardin ak offrande boisson qui pour marcher ak yo.
d'après règlement. Et puis, en plus, offrande bête nous fait chaque jour pour yon boule net pour Seigneur, ensemble avec offrande grain jardin, avec offrande boisson qui marche avec yon. Na offri yon bouc cabrit pour yon touye pour mande bon Dieu pardon pour péché. Cinquième jour fête là, na offri 9 taureaux, 2 béliers moutons, à 14 ti moutons qui gen 1 an. Fok yo tout sa anken infimité. Ensemble ak chak bet, na fe ofran gren jardin ak ofran boisson ki pou mache ak yo. D'après règlement. Et puis en plus ofran bet nou fe chak jou pou boule net pou Seigneur. Ensemble ak ofran gren jardin ak ofran boisson ki mache ak yo. Na ofri yon bouk kabrit pou yo touye pou mande bon Dieu pardon pou péché. Sixième jour fête là, na offri 8 taureaux, 2 béliers, moutons à 14 ti moutons qui gen 1 an. Fok yo tout sa en ken infimité. Ensemble ak chaque bête na fait offrande grand jardin ak boisson qui pour marcher ak yo. D'après règlement. Et puis en plus offrande bête nous fait chaque jour pour boule net pour Seigneur. Ensemble ak ofran ak gren jardin ak ofran boisson ki marche ak yowa, na ofri yon bouk kabrit pou yo touye pou mande bon Dieu pardon pou péché. Septième jour fête la, na ofri 7 taureaux, 2 béliers ak 14 ti moutons ki gen 1 an. Fok yo tout san anken infimité. Ensemble ak chak bet na fè ofran gren jardin ak ofran boisson pou mache ak yo d'après règlement. Et puis en plus ofran bet nou fè chak jou pou boule net pou Seigneur ak ensemble ak ofran gren jardin ak ofran boisson ki mache ak yo na ofri yon bouk kabrit pou yo touye pou mande bon Dieu pardon pou péché. Huitième jour fête là, n'assemble tout moun pour adorer bon Dieu. Jour ça, personne pas fait aucun gros travail. N'a fait offrande bête pour bouler pour Seigneur net nan di fe. Offrande qui va faire Seigneur plaisir ak bon santé. Même bête pour nous offrir. Yon taureau bœuf, yon bélier mouton ak 7 ti mouton qui gen 1 an. Fok yo tout sans aucun infimité. Ensemble ak chak bet na ofri ofran gren jardin ak ofran boisson pou mache ak yo d'après règlement. Et puis en plus ofran bet nou fè chak jou pou boule net pou Seigneur ensemble ak ofran gren jardin ak ofran boisson ki mache ak yo na ofri yon bouk kabrit pou yo touye pou mande bon Dieu pardon pou péché yo. Mais tout ça nous va offrir by Seigneur le n'a fait gros fête nous doit faire pour lui yo. A pas offrande n'a fait parce que nous te prend engagement pour nous te faire yo ou encore offrande n'a fait parce que nous rete comme ça nous voulait faire. Mettez sous bête n'a offrir pour bouler net dans di fait pour bon Dieu. Sous offrande grain jardin ak offrande boisson yo. Ak sou ofran nou fè pou di bon Dieu merci. Se kon sa Moïse te di pep Israël la, tout sa Seigneur te bali lòt di yo. Parole bon Dieu pou pep bon Dieu. Amen. Est une lampe à mes pieds, elle
c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger. Elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Yeah. Ta parole est vivante.